Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, ouais, carrément. Ça va tranquille, ouais. J'ai même passé un peu de trop bonnes vacances vu que ça fait un, voire même deux, voire même 3 mois que je n'ai pas fait de nouvelle vidéo ici et que je me la coule un peu douce. Mais ça va pas du tout, ça, hein. Pas de panique, mon objecteur de conscience s'affole, mais ne vous inquiétez pas, on va se rattraper. Aujourd'hui, pour redémarrer en douceur, on va apprendre à faire du shader sous Unreal Engine. Du shader! Comme mon pseudo YouTube pourra vous le laisser présager, c'est quelque chose que j'adore. Mais ô modeste pilgrim, qu'est-ce que c'est un shader? Question légitime, jeune padawan. Un shader en 3D, c'est en quelque sorte des petits programmes, des bouts de code, hein, on va dire, qui sont intégrés dans tous les logiciels 3D et qui vont permettre de définir comment vont réagir un polygone ou une surface éclairée par de la lumière. Oui, c'est mieux en général de pouvoir simuler de la matière en 3D. Mouais. Alors, depuis le début des effets spéciaux numériques, des shaders, il y en a de différents types, différentes sortes, en fonction de leurs paramètres. Mais bon, on va pas faire toute une intro sur l'historique des shaders, je réserve ça peut-être pour une prochaine vidéo qui sera passionnante. Pour l'heure, retenez que, en gros, c'est ce qui définit l'aspect de la matière. Telle matière sera du béton, telle autre sera de la roche, du charbon, du bois, du métal, etc. Allez, on perd pas de temps, on attaque le sujet tout de suite après le générique. Donc alors, dans Unreal Engine, on développe les shaders via des nodes. D'ailleurs, quasi tout se fait par des nodes dans ce logiciel. Et on va venir faire ici du High Level Shading Language, du HLSL. Le HLSL, c'est un langage de programmation de shaders conçu pour fonctionner avec Direct3D. En fait, chacune de ces nodes sont comme des fonctions de programme informatique et contiennent des bouts de code. Un extrait de code de shader, ça ressemble à ça. Et il suffit d'assembler ces nodes entre elles depuis des sorties vers des entrées, comme ici. C'est ce qu'on appelle des inputs et des outputs, permettant de construire les propriétés du shader. Et cela aboutit généralement à des structures comme des toiles, avec des dizaines, parfois des centaines, de nodes et de connexions. En anglais, on appelle ça un node tree, un arbre nodal en français. Et évidemment, il y a quelques règles à connaître, des compatibilités et incompatibilités à comprendre pour savoir quoi connecter avec quoi. Si tu connectes tout avec n'importe quoi, il y a de fortes chances que ça puisse aboutir sur une bonne grosse erreur. Mais dans l'ensemble, je vais vous guider et vous expliquer tout cela. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Allez, on commence! Donc en premier, on ouvre Unreal. Je choisis mon projet courant. Vous vous en créerez un si c'est votre première fois. On patiente, on patiente. Sur ce magnifique fond d'écran. Et nous voilà dans le logiciel. Donc, j'amène le browser du soft. C'est son explorateur, un peu comme celui avec Windows par exemple. Moi, j'ai déjà un dossier Shader Master, donc c'est ici que je vais créer mon nouveau matériel. Et je vais l'appeler 3 underscore Material Master. Vous faites comme vous voulez, hein. Il n'y a pas d'obligation là-dessus, c'est libre et à votre choix. Donc, je double-clique sur l'icône pour l'ouvrir dans ce qu'on appelle le Material Editor. Et là, nous avons notre première, entre guillemets, node que l'on voit. C'est celle de tous les paramètres finaux du matériau auquel on va venir relier toutes sortes d'attributs. À gauche en haut, vous avez la preview. Et en dessous, vous avez le détail panel avec tout plein de paramètres spécifiques à la typologie du matériel.
Je vais pas tout définir, hein, ça servirait absolument à rien, mais certains sont plus importants que d'autres, donc il vaut mieux les définir tout de suite. Pour matériel domaine, on pourrait définir ça comme sa typologie globale. La seule option qui nous intéresse pour des surfaces 3D solides, on va dire celle qui couvre 98% des objets que vous allez importer dans votre scène, c'est surface, laissée telle qu'elle. Dans Shading Model, c'est un peu son modèle paramétrique. Celui-ci va permettre d'activer certaines sorties qui ne sont pas actives par défaut. Vous voyez, certains inputs ici sont actifs alors que d'autres sont grisés de base. Le seul qu'on va débloquer ici, c'est Opacity Mask pour nous permettre de jouer avec la transparence. Donc pour cela, on va définir Blend Mode sur Masked. D'autres modes activent et désactivent différemment les inputs. Dans le modèle du shader, laissez Default Lit, illuminé par défaut. Alors, moi en premier, j'aime bien travailler avec ToSided activé, ça sert à afficher les shaders des deux côtés de la surface. Si vous voulez faire des jeux, ne l'activez pas. Ça pompera toujours un peu de performance supplémentaire, c'est pourquoi sur les jeux vidéo en général, c'est jamais activé. Hein, pensez à ces gamers qui passent à travers un mur suite à un défaut de collision, et qui voient ensuite à travers toutes les surfaces du niveau. Voilà, c'est à ça que correspond à peu près la notion de ToSided. Pour Dither DLOD Transition, activez-le. Je vous dis pas encore pourquoi, c'est un autre concept qui viendra sans doute dans une autre vidéo, mais faites-moi confiance, c'est mieux. Tangent de space normal, très important. En général, les textures de normal que vous téléchargez en internet seront en tangente, et très très rarement en object ou world space mode. Donc laissez sur tangente. Et enfin, on arrive dans les usages, et là, mine de rien, c'est important car cela définit l'usage de votre matériau. Ces usages contrôlent les types d'objets sur lesquels le matériau sera utilisé. En les activant, on arrive sur une autre notion très importante avec les shaders d'Unreal. Et alors là, quand je dis important, c'est que c'est un point assez central qui peut même devenir prise de tête si on n'y fait pas gaffe. Il s'agit de... L'application. Et qu'est-ce que la compilation? Hormis le fait que c'est la bête noire d'un certain nombre de personnes. La compilation intervient à chaque fois qu'on enregistre un matériau depuis l'éditeur. Unreal va alors se charger d'écrire en parallèle sur votre disque dur toutes les instructions que vous avez développées en HLSL afin de pouvoir faire fonctionner celui-ci en temps réel. Cette fameuse compilation va parfois même vous donner envie de vous cogner la tête sur la table. Oui, je fais ça des fois. Car elle peut être longue et revenir assez souvent. La chose à savoir ici, en lien avec la compile, c'est que plus il y aura d'usages cochés ici, plus le shader sera compilé en diverses versions spécifiques pour pouvoir être adapté à chacune de ces applications. Et plus le shader sera partagé en différentes versions, plus la compilation sera longue. Cela peut dépendre aussi de votre processeur, s'il est plus ou moins puissant. Voyez ici, je vous ai fait un joli tableau. J'ai testé seulement avec un usage, le premier Use with Skeletal Mesh, et une fois enregistré, on reste sur un shader count de 62 dans les stats, sur la fenêtre de gauche. Ce qui est tout à fait raisonnable. Si maintenant on coche 3-4 cases en plus, on passe à 169 dans la fenêtre centrale. Et si on les coche toutes, on monte jusqu'à 750 sur la cellule de droite. Ces stats sont recalculés à chaque fois qu'on enregistre le matériau. De 62 à 750, ça fait beaucoup. Dernier point, pour clôturer le sujet, voici en représentation graphique la répartition de tous les dossiers sur mon disque dur, affiché depuis un logiciel tiers qui s'appelle TreeSize. Donc là, vous voyez la répartition d'à peu près tous les fichiers présents sur le disque. Et on peut voir ici, dans la partie utilisateur, un dossier assez important contenant un paquet de petits fichiers. Il suffit de s'y rendre via l'explorateur pour s'apercevoir que c'est ici, dans le dossier Common Derived Data Cache, Content, que sont stockées toutes les informations, les shaders, les fichiers, etc. dont Unreal a besoin pour fonctionner. Et il en écrit le bougre, comme vous pouvez le remarquer. Donc voilà, au moins vous savez maintenant dans les grandes lignes comment ça fonctionne. Alors soyez bien au courant du type d'objet avec lesquels vous comptez utiliser vos matériaux pour vous épargner du temps de compile.
Petit bonus, si jamais vous voulez modifier l'emplacement de ce dossier de cache, le DDC pour Derived Data Cache, vous pouvez, il suffit d'aller dans les préférences de l'éditeur. À l'onglet Global, vous trouverez les chemins d'accès permettant de générer ces types de dossiers ailleurs. Il y a un champ d'accès réservé à la machine en local et un autre en mode global qui concerne le travail en studio. Lorsqu'on est à plusieurs intervenants sur le même projet, il est conseillé alors de définir le chemin d'accès global sur le même dossier pour tout le monde, histoire de partager les mêmes shaders et les mêmes infos. Voilà, c'est tout pour les paramètres de base du node principal, aussi appelé Main Material Node. Maintenant, on va voir comment développer le shader. Ok, on va désormais développer le shader. Cela se passe dans cette zone qui s'appelle le graphe. Mais avant tout, on va checker les textures dont on aura besoin et qu'on va utiliser ici. On a la diffuse qui contient les couleurs de base. La multi. Alors la multi c'est un peu spécial et je vais vous expliquer le concept maintenant. Comme toute image en informatique se compose des canaux rouge, vert et bleu, cela fait au total 3 canaux. On peut ainsi utiliser chacun de ces canaux pour venir y insérer une texture en niveau de gris. Ça nous arrange puisque dans les programmes 3D, pour la plupart des textures, que ce soit la spiculaire, la roughness, la métallique ou même l'ambient occlusion, ce sont toutes des textures en niveau de gris, à un seul canal, c'est-à-dire noir et blanc. Donc, pour faire des économies de texture, on peut venir par exemple insérer la spiculaire dans le canal rouge, la roughness dans le canal vert et la métallique dans le canal bleu. Ce qui fait 3 textures en une. Et c'est une très bonne pratique, car Unreal utilisera alors le même taux de mémoire pour calculer une texture. Que ce soit une texture avec un seul canal, ou 2 canaux remplis, ou bien même 3 canaux, Unreal utilisera toujours le même taux de mémoire vive. Ce qui permet, si on l'utilise bien, de faire des économies drastiques sur la mémoire de sa machine. Moi, je combine la Specular Map dans le canal rouge et la Roughness dans le canal vert. C'est ce qui lui donne son aspect un peu vert-rougeâtre. Je pourrais encore en mettre une dans le canal bleu, mais ici je vais séparer la métallique pour que ça reste à peu près clair. Là on a la métallique, qui permettra de renseigner les infos sur l'aspect métallique de la matière. Et enfin, la normal map, qui est une texture de vecteur permettant de simuler des petits détails de relief complexes et qui seraient impossibles à simuler autrement. Petite note, à chaque fois que vous importez une texture de normal, la plupart du temps pensez à cocher la case Flip Green Canal. Ce n'est pas une règle absolue, pensez à vérifier, ça dépend des textures de normal, mais dans la plupart des cas, avec la façon dont elles sont générées, c'est nécessaire. Et enfin, on va même voir pour utiliser une texture de Displace qui nous permettra de simuler une déformation à la surface du maillage en fonction des zones de noir et de blanc. Et voilà, c'est tout bon pour les textures. Alors, pour commencer, on importe la texture depuis le Content Browser dans le Graph Editor. On relie la sortie RGB de la texture node à l'input base color du matériel, et on voit bien les informations de couleur apparaître à la surface du maillage en preview. Ensuite, on va importer une nouvelle node, une Multiply. On peut l'appeler plus rapidement en restant appuyé sur le raccourci M. Puis on importe une node vector parameter. Là aussi, on peut l'appeler avec la touche V. On renomme celle-ci en color variation pour savoir de quoi il s'agit. Et on relie les deux sorties RGB de la texture node et celle de la vector parameter respectivement aux inputs A et B de la multiply. Puis enfin, on relie la sortie de la multiply à la base color du matériau. Et grâce à cette petite combinaison, qui résulte d'une opération de multiplication, on peut apporter une variation de teinte sur notre diffuse color de base. On peut venir teinter de rouge, de bleu, de jaune, etc. Bref, vous avez compris l'effet. Maintenant, pour comprendre le fonctionnement, basiquement, cette node qui prend les deux inputs agit comme une fonction de multiplication. Mais attention, il va falloir expliquer un peu. Et je pense que ça va constituer une très bonne introduction pour comprendre basiquement comment fonctionne ce système.
En gros, on ne peut pas faire des opérations n'importe comment avec n'importe quoi. La node multiply peut fonctionner en input soit avec une seule valeur multipliante, qui sera alors communément appliquée sur les autres opérandes, soit le même nombre d'opérandes en input A et en input B. En revanche, ce qui ne va pas fonctionner, c'est si je décide de multiplier les trois valeurs d'une couleur RVB en input A par des nodes qui renvoient deux valeurs ou quatre valeurs. Là, à ce moment, le logiciel, il ne sait plus quoi attribuer à quoi. Pour s'en rendre compte, c'est très simple. Voyez, si j'importe une vecteur inconstant à une valeur, ça fonctionne très bien. La valeur unique va se charger de multiplier les trois valeurs RGB. Mais si j'importe une node vector tout constante, donc avec deux valeurs, là il va y avoir un problème. En gros, le code se dit « je multiplie quoi avec quoi ?» Et si j'importe une vecteur à temps constante, là ça redevient bon, puisque la sortie RGB forme elle aussi trois valeurs. Et si j'importe une node vector à 4 constantes, ah, là ça marche plus, puisque dans l'opération, il y a de nouveau un problème d'attribution de part et d'autre. En gros, qui opère sur quoi? Sauf si je connecte la sortie RGBA de la node texture, et là, ça fonctionne de nouveau, car nous avons désormais de part et d'autre 4 valeurs, qui vont se multiplier avec 4 valeurs. Bref, ces contraintes, qui sont somme toute très logiques, s'appliquent à tous les types d'opérations. Que ce soit la multiplication, l'addition, la division et la soustraction. Donc faites juste attention à vos valeurs en sortie de node et avec quoi vous les reliez. Dernière petite chose concernant ces valeurs RVB. Promis, j'arrête de vous emmerder avec ça après. Techniquement, sur vos écrans, chacun de ces canaux de couleurs sont encodés sur 256 bits, soit un octet, c'est-à-dire 256 nuances de rouge, 256 de vert, ainsi que de bleu. Mais dans Unreal, et dans la plupart des logiciels en fait, question de facilité, comme vous voyez, ces valeurs sont ramenées entre 0 et 1. On appelle ça normaliser une valeur, de façon à ce qu'elle soit plus facile à appréhender. Bon, à part ça, j'espère que je vous ai pas trop saoulé avec toutes ces explications. Alors, moi maintenant, ce que j'aime bien faire dans mon pipeline de diffuse, c'est rajouter quelques paramètres qui permettront de mieux ajuster la couleur de base. Je rajoute donc une node chip contrast RGB. Attention, vérifiez bien que c'est la version RGB pour vous permettre d'ajuster le contraste sur toute la couleur et non pas juste le noir et blanc. Cette node, qui possède un en-tête bleu, fait partie des nodes fonctions. C'est-à-dire que c'est un regroupement de plusieurs nodes à l'intérieur qui agissent comme une fonction plus importante. Voyez, si on double-clique dessus, on a accès à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et on peut même venir faire des modifs si on en a envie. Si vous débutez, je vous le déconseille pour le moment. Donc on vient la relier comme cela en sortie de la node multiply, puis on lui connecte en input contrast une constante à un vecteur. Pour ne pas faire agir le contraste de base, comme celui-ci est assez fort, laissez sa valeur sur 0. Ce sera la valeur par défaut. Ensuite, on convertit cette constante en paramètre et on la renomme en color contrast. Ensuite, je crée une nouvelle node multiply que je viens connecter comme ce qu'on a fait auparavant, puis une nouvelle node constante à un vecteur que je convertis en paramètre et que je renomme en color plus. Alors, mes noms à moi que j'utilise sont un peu mes conventions personnelles, mais comme je vous ai dit, rien ne vous empêche de les nommer autrement. La raison d'être de cette nouvelle fonction, ce sera de pouvoir éclaircir la colorimétrie globale du shader rien qu'avec cette simple valeur. En général, pour parler simplement, multiplier un chiffre par un nombre entre 0 et 1, du genre 0,415, ça ne fera toujours que diminuer le résultat final. C'est ce qu'on a vu auparavant. Mais si je multiplie par 2 ou par 6, alors là, la valeur augmente, et donc la couleur sur laquelle agira la multiplication s'éclaircira de plus en plus. Vous verrez, ce sera une petite astuce bien sympa pour éclaircir son shader par la suite. Voyez ici par exemple, quand nous arrivons à la partie matériel instance, comment cela agira. Petite note, laissez la valeur sur 1 par défaut.
Une multiplication par 1, ça nous donne un résultat identique ressorti. Sur la fin, sélectionnez toutes vos nodes, pressez la touche C pour toutes les regrouper dans un cadre qui permettra de les déplacer tout à la fois en même temps. Et renommez ce cadre diffuse. Donnez-lui une couleur si vous en avez envie. Moi je trouve que ça fait joli à la fin, donc hop, je vais le faire. Du coup, maintenant, on va passer à l'aspect lumineux de notre shader, à savoir un terme important, la spécularité. Qu'est-ce que la spécularité? Ce sont les propriétés d'un objet à renvoyer la lumière. Tels objets sont mats, tels autres sont plus brillants, etc., etc. Donc, après avoir fait la diffuse, on va développer tout ça dans notre node tree. Tout d'abord, on commence par la map de specular. Pour ce faire, rien de bien compliqué, c'est exactement comme ce qu'on a fait avant. Donc on vient apporter la texture multi dans notre graphe, puis une nouvelle node multiply et une constante à unique valeur. On convertit la constante en paramètre, puis on la renomme Specularity Strength. Pour rappel, la specular se trouve dans le canal rouge de la texture multi. Donc cette fois-ci, on va pas partir du canal RGB en sortie, mais du canal RED de la texture sample pour venir la combiner en multiply avec la constante. Et enfin, on relie le tout une fois connecté à l'input specular du matériel final. On voit désormais que la brillance agit sur certaines zones du shader en fonction des informations de la texture. En général, la map de specular, c'est juste une version noire et blanche de la texture de base. Les zones lumineuses seront brillantes et les zones noires n'auront pas de specularité du tout. Maintenant, on va passer à la roughness. La roughness définit la force et par extension l'étendue de la brillance. Une roughness faible aura une brillance forte très localisée, à l'inverse d'une roughness forte qui aura une brillance moindre mais plus diffuse. Pour ce faire, on va développer un nouveau petit réseau fonctionnant de façon légèrement différente. Cette fois, on va importer deux constantes à valeur unique, on les convertit chacune en paramètres, puis on les renomme roughness low et roughness high. Puis on va faire appel à une nouvelle node, la node Linear Interpolate. Pour expliquer assez simplement, cette node sert de courbe d'interpolation entre les deux inputs A et B. Grâce à l'input alpha, on va pouvoir faire pencher le taux d'influence plus ou moins fortement d'un point à l'autre de la courbe. On relie donc nos deux constantes en input A et B, donc chacune de ces valeurs se trouveront à une extrémité et l'autre de la courbe d'interpolation. Puis, comme avant avec la specular, on va chercher cette fois notre map de roughness, contenue elle dans le canal vert de notre texture multi. Et on vient la connecter ainsi en input alpha pour que la texture se charge de devenir elle-même la formation de référence dans notre interpolation. Si on devait illustrer l'action que fait ce network ici présent, c'est un peu comme dans Photoshop avec la commande niveau. En agissant sur les seuils de niveau de part et d'autre du spectre lumineux sur une texture, on augmente ainsi ou on diminue l'étendue de l'effet. Ce qui nous est très utile ici pour jouer sur la brillance ou la matité. Donc, on connecte le tout enfin à l'input roughness du matériel, et vous voyez, cela fait tout de suite effet. On peut désormais facilement obtenir un matériel tout brillant, semi-brillant, ou bien complètement rugueux et mat. Pour finir, on regroupe le tout dans une fenêtre, à nouveau comme on a vu précédemment avec la touche C. On renomme ce groupe Specularity et on lui donne une couleur si on veut. On passe ensuite à l'effet métallique. Et alors là, c'est comme avant, on importe la texture de métal. Une nouvelle constante, convertie en paramètre, renommée en métallique. Puis on va faire un simple network basé sur une multiply comme on sait désormais si bien le faire. Vous reliez le tout à l'input métal et vous voyez tout de suite l'effet métallique. Si vous jouez avec l'input métallique, vous pouvez voir l'effet s'appliquer plus ou moins fortement. Alors, cela va m'amener à vous expliquer encore quelques petites notions. Dans le monde réel, il y a une différence fondamentale entre les matières métalliques, qui conduisent l'électricité, et les matériaux dits électriques, isolants ne conduisant pas l'électricité, comme les plastiques, le bois, le verre, la pierre, etc. La surface des métaux, eux, renvoie toute la lumière. C'est pour cela qu'ils sont aussi brillants.
mais les autres matières en absorbent une partie et ne la renvoient, dans la plupart des cas, qu'imparfaitement dans diverses directions. Donc généralement, la seule valeur possible pour cette option, c'est soit 1, soit 0, c'est-à-dire métallique ou non métallique. Ce qui se charge de réellement déterminer les zones métalliques ou non, comme par exemple la rouille, qui est une matière non métallique, c'est la texture contenant des zones de noir et de blanc. Donc retenez bien que cette valeur devrait toujours valoir 1 pour les métaux et 0 pour les matériaux non ferreux. Pour la suite, vous connaissez la manœuvre, blablabla, on groupe les nodes, on renomme tout ça en métallique, et le tour est joué. Maintenant, on va passer à la normal map, qui est la texture qui va nous permettre de simuler du relief de surface. Alors, comme c'est une texture assez spéciale, son développement va être un peu particulier, et je vais vous montrer ça tout de suite. Pour commencer, on importe la texture dans le graphe. Si on connecte la texture de normal tout de suite dans l'input prévu à cet effet de notre matériel, vous verrez tout de suite celle-ci prendre effet. Alors, c'est pas évident, mais vous voyez, il y a des petits grains à la surface, c'est provoqué par la texture de normal. Mais maintenant, si on veut régler la force de l'effet, eh bien on peut, mais pour cela, il faut développer un peu plus les paramètres. Comme les informations du normal sont séparées par canaux, un peu comme avec la multi, mais d'une façon différente. En gros, le principe d'une normale, c'est de simuler un vecteur de relief sur l'axe horizontal dans le canal rouge, un autre vecteur vertical dans le canal vert, et le peu d'informations qui restent sont dans le canal bleu. Donc pour augmenter l'intensité des informations de relief, on va d'abord, comme d'habitude, importer une valeur constante que l'on va renommer en normal strength. Puis grâce encore une fois à des nodes multiply, relier à la valeur de cette constante pour qu'elle agisse à la fois sur les canaux horizontaux et verticaux, c'est-à-dire le canal rouge et vert de l'image. Si on peut comparer ça dans Photoshop, à nouveau, eh bien, ce serait comme d'augmenter le contraste entre les valeurs noires et blanches. Vous voyez, plus les informations seront noires, plus cela simulera des zones creuses. Et à l'inverse, plus elles tireront sur le blanc, et plus cela simulera du grain en relief. Et ensuite, comme on vient de décomposer les canaux pour pouvoir influer sur deux d'entre eux, il va falloir les recomposer avant de connecter la node finale. Pour cela, on va faire appel à une nouvelle node, la node append. Une append sert à lier plusieurs informations là où les nodes d'opération standard provoqueraient une erreur. En cause, une différence de valeur comme ce qu'on a vu précédemment avec la multiply. La node append, elle, permet de combiner des nodes à vecteurs différents pour en renvoyer en sortie un vecteur avec plus de canaux que l'original. Elle sert donc à connecter les nodes là où les informations sont différentes en entrée. Ici, nous devons bien connecter le vecteur rouge avec le vert et les réunir tous les deux en sortie. Pareil avec le canal bleu qui arrive au final pour recomposer les trois canaux de la texture. Et enfin, une fois la texture recomposée, on peut venir connecter celle-ci dans le canal normal du shader. Grâce à la valeur de normal strength, on peut désormais venir jouer sur la force de l'effet de la normal map. On peut à souhait l'augmenter ou le diminuer. Pour la fin, on fait comme d'habitude, on regroupe le tout, on renomme et blablabla, et voilà, le network pour la normale est fait. On va passer maintenant aux deux textures bonus de ce tuto, à savoir l'alpha et la displace. On va d'abord commencer par l'alpha. Alors, basiquement, on commence de la même manière qu'auparavant. Par défaut, on importe une texture parfaitement blanche et pas besoin qu'elle soit énorme, hein. Une petite résolution de 128 par 128 pixels fera l'affaire. Par convention, dans un canal alpha, le noir absolu transmet les infos de transparence et le blanc laissera le matériau totalement opaque, avec une infinité de nuances entre les deux. Vous verrez qu'ensuite on pourra venir modifier cette texture à souhait. Donc on commence avec la même association que tout le reste, une multiply avec une constante. Par défaut, dans la constante, laissez opacity strain sur 1 et reliez le tout. Puis on pourrait se contenter de connecter le network tel quel. Vous voyez, l'opacité fonctionne bien. Mais on va faire un truc un peu plus poussé, et je vais vous introduire ici à la notion de switch et de booléen. Pour commencer, on importe une node static switch.
puis une autre qu'on appelle Static Bool Parameter. La switch est simplement une note booléenne qui permettra de basculer en sortie soit la valeur vraie, soit la valeur fausse. Vous voyez les inputs true et false. La Static Bool Parameter, quant à elle, est aussi une booléenne et ne possède qu'une checkbox à cocher. Une valeur à activer, soit pour dire vrai, soit non cochée, pour signifier faux. On la renomme Invert Alpha et on la connecte en input value de la switch. Ainsi, nous avons une structure qui permettra de faire passer soit l'input A si elle vaut vrai, soit une variation en input B si elle vaut fausse. Comme la Static Bool vaut fausse de base, on relie l'output de la multiply directement dans l'input false. Et on va introduire une nouvelle note pour l'input true, la 1-. La 1- permet simplement de faire l'inversion des valeurs colorimétriques sur une texture. Drôle de nom pour cette fonction, mais c'est simplement une node d'inversion. Ainsi, vous la connectez en input A, et par la suite, lorsque vous activerez l'input true de la static boolean, c'est l'information en input A qui prendra le relais sur l'information en B. C'est simplement une fonction pratique que je vous fais faire, car je sais que par expérience, ça peut arriver. Vous en êtes à votre 10e texture de la journée et des fois, ne sachant plus trop bien où doit se situer la transparence, ça peut vous arriver d'inverser les infos de noir ou de blanc sans faire gaffe. Vous aurez ici une petite astuce directement dans le network pour y remédier sans vous embêter à repasser par Photoshop. Voilà, on groupe le tout et on le met bien en dessous. Autre chose, je vais créer rapidement une map d'alpha, puis je vais l'introduire dans la texture sample et vous voyez que l'alpha agit bien. Opacity Strength ici sert autant à définir l'étendue que le contraste. C'est peut-être pas très visible ici, mais cette valeur, plus on l'augmentera, plus les contrastes sur les bordures se renforceront et plus l'étendue de l'alpha se réduira. Voyez aussi l'effet que produit la 1- si on active la valeur booléenne true de l'invert alpha. L'effet fonctionne bien. C'est tout pour l'alpha. Pour la dernière texture, on va voir la displace. Donc celle-ci permet de faire des variations de surface sur un maillage en fonction également de ces informations de noir et blanc. On importe la texture de displace dans le graphe et cette fois on va la combiner en multiply avec une node un peu particulière, la Vertex Normal WS. Cette node permet d'agir sur la normale des sommets dans l'espace absolu de la scène, la normale étant l'orientation perpendiculaire à une surface. Chacun des sommets, en fonction de la texture qui sera attribuée dans le shader, sera plus ou moins dévié vers l'avant. Donc on la connecte à la multiply, puis pour contrôler l'effet, on rajoute une deuxième multiply avec une constante. Comme d'habitude, j'ai envie de dire maintenant, on nomme cette constante Display Strength et on relie le tout dans le canal World Position Offset. Et ainsi, pareil, on en fait un groupe et on le déplace dans notre graphe. Alors, on voit ici, si on joue avec la valeur, que le Display produit sur le maillage en preview montre que ça fonctionne bien. Ça aura plus intérêt plus tard quand on utilisera ça sur des maillages autrement subdivisés et avec une texture réduite à une plus petite échelle, ce que nous allons voir bientôt pour finir en créant le système de coordonnées. Bon alors, pour cette dernière partie, on va s'intéresser au système de coordonnées. Celui-ci va nous permettre de translater, agrandir ou diminuer, et même faire une rotation sur l'ensemble des textures reliées au shader. Pour ce faire, on va commencer par importer une nouvelle constante, on la convertit en paramètres, et on la renomme UOffset. L'offset, qui veut dire décalage en 3D, est généralement un paramètre qui permet de faire des translations. Puis on duplique cette node et on l'appelle cette fois VOffset. Les coordonnées U et V dans un logiciel 3D sont simplement les axes horizontales et verticales ramenés sur un plan en deux dimensions et concernant essentiellement les images. On duplique à nouveau cette constante et on la renomme cette fois UVScale. On va importer une nouvelle node, la texture coordinate. Celle-ci se chargera de générer les informations de base pour les coordonnées UV. Ainsi, pour les deux premiers paramètres d'offset, on se charge de les lier avec une node append.
Quant à la texture coordinate, on va simplement utiliser une multiply pour interagir avec la constante UVScale. Puis on relie ces deux sous-ensembles avec une note d'opération add, une addition. Ainsi, chacune des deux sous-parties interagira sur l'autre sans pour autant entrer en conflit. Nous avons désormais une base pour faire glisser et modifier les dimensions de la texture. Il ne reste plus qu'à connecter ce network dans les inputs U et V de chaque texture sample pour que celui-ci agisse sur les textures. Vous voyez, si je commence à jouer avec l'UVScale, ça fonctionne bien. Donc, nous avons fait la base du système de coordonnées, mais maintenant, nous voulons pouvoir faire pivoter les textures dans toutes les directions. Pour ce faire, on va importer une nouvelle node, la Custom Rotator, qui est également une node fonction. Vous voyez à l'intérieur comment ça se présente. Ne me demandez pas d'expliquer tout ce qui se passe là-dedans, là je sèche un peu. Donc, avec notre Custom Rotator, on vient l'insérer entre la texture coordinate et le reste du réseau. On la relie à la multiply et avec une constante paramètre dupliquée, renommée en UV Rotator, on vient la connecter dans l'input Rotation Angle 01 pour ainsi créer le paramètre de rotation. Et vous voyez à la fin comme la rotation fonctionne bien. Ensuite, et enfin, on va créer un dernier network qui permettra à l'utilisateur de pouvoir choisir entre scaler, dimensionner si vous préférez, les textures de manière uniforme, ou bien de pouvoir choisir de dissocier les canaux U et V, et permettre ainsi de définir chacun de ces axes séparément. Pour ce faire, on va d'abord amener l'UVScale ici, puis la renommer en UV Global Size. Ensuite, on copie-colle deux fois cette même node, et on les renomme UScale et VScale. On va alors utiliser ce qu'on a vu précédemment, à savoir la node Switch. Souvenez-vous des booléens qui valaient soit vrai, soit faux. On dédouble cette node car on en aura besoin de deux. Puis on amène à nouveau une static bool parameter que l'on renomme ici en Uniform Scale Activation et on connecte son output au value. Les nodes U et VScale seront chacune reliées aux inputs false des deux switches. Et la global size, elle, sera reliée aux deux inputs true. Pour que ce soit la global scale qui prenne le pas et soit active par défaut, il faut définir la static booléenne sur true. Ensuite, on va relier tout ça à des nodes multiply à nouveau, mais pour ce faire, il va falloir triquer un peu le réseau. On va utiliser une petite astuce en amenant une node breakout float to component qui va se charger de séparer les valeurs en deux composantes bien distinctes en sortie. Ainsi, on vient connecter les valeurs R et G, respectivement les axes X et Y, mais également U et V, c'est-à-dire horizontaux et verticaux, aux inputs A des multiply. Puis ensuite, on relie les switches aux inputs B de ces multiply. La breakout float agit à peu près de la même manière que la node mask qui permet de sélectionner et séparer les trois canaux RVB en sortie. Et ensuite, vous vous souvenez, pour relier deux simples valeurs et les combiner en un vecteur plus important à la sortie, il nous faut une node append. Puis on relie la sortie append au réseau global, et voilà, notre réseau de coordonnées est fini. Bien sûr, on n'oublie pas d'enregistrer le shader. Puis on groupe et on nomme ce dernier réseau coordinate. Celui-ci en sortie doit être lié à toutes les nodes de texture. Maintenant qu'on a fini le développement de notre shader, on peut se dire « Ouf, ça y est, c'est terminé !» Patience, mon ami, je dis patience. Il y a encore quelques trucs à voir. Oh, pfff. Mais ça va être beaucoup plus simple. Nous allons explorer ici la relation entre le matériel master et les instances. Car oui, dans Unreal, il y a bien un grand maître en matériel. Oh, grand maître. Et des petits matériaux qui lui sont subordonnés. Qu'est-ce que le matériel master ? Le Material Master est un shader comme ce que nous venons de développer, c'est-à-dire que nous l'avons construit entièrement de A à Z dans le Graph Editor. Nous lui avons défini les sets de textures et les paramètres offrant diverses possibilités d'influer sur lui.
Et de ce modèle peut découler tout plein d'autres shaders, c'est-à-dire que l'on peut créer à partir de ce master une infinité d'instances avec des réglages et textures différentes. Pour créer une Material Instance, il suffit dans le Content Browser de faire clic droit sur un shader master et de faire Create Material Instance. À ce moment, nous aurons créé une instance du matériel applicable sur n'importe quel maillage, et en double-cliquant dessus, on arrive sur une fenêtre un peu différente de ce qu'on a vu tout au long de ce tuto sur le shader master. Alors ici, nous voyons en majorité la preview, en haut à gauche sont résumés les stats du shader, et nous avons sur la droite le détail panel, qui cette fois répertorie tous les paramètres que nous avons mis en place précédemment dans le graphe du shader master. Voyez par exemple ici avec les notes Specular et Roughness, on les retrouve bien ici sous forme d'options dans le panel. Et pour vous rendre compte du lien, voyez ici, on a bien le master matériel que nous avons créé en tant que parent. Alors, retrouver ces options ici c'est bien, mais elles n'y figurent pas toutes et il faut savoir que l'on peut les classifier comme on le souhaite. Et sinon, pourquoi certaines textures n'apparaissent pas, me direz-vous? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. On va d'abord revenir dans le graphe du master. Si toutes les textures n'apparaissent pas dans l'instance matérielle, c'est qu'elles n'ont pas été converties préalablement en paramètres. Être converti en tant que paramètre, parameter en anglais, est la condition qui définit si l'option sera présente ou non dans l'instance. Donc dans le graphe, n'oubliez pas de convertir en paramètre tout ce que vous voulez retrouver dans l'instance. On va ensuite définir le groupe pour chacune des nodes. Par commodité dans un shader standard, moi je rassemble tout ça dans le même groupe. Ça ne sert à rien de créer des groupes séparés quand il n'y a qu'un seul set de textures. Quand il y a plusieurs sets pour plusieurs matériels, oui, ça peut devenir utile. Mais dans le cas présent, non. Non. Ensuite, on va venir ici définir l'ordre des priorités dans laquelle apparaîtront tous ces paramètres. Et pour ça, ça se passe dans Sort Priority. Alors, toutes les textures, je vais les mettre en premier, et ainsi de suite, je vais descendre dans les paramètres. Je leur accorde donc des nombres de 1, 2, 3, 4, 5 pour tout ce qui est texture, et ensuite de 5, 6, 7 jusqu'à 10, 12, 15 pour les paramètres. Bref, vous avez compris l'idée. Vous, vous ferez comme vous voulez, vous verrez en fonction de l'agencement que vous souhaiterez. Et une fois que tout ça est fait, eh bien, oh miracle! Tout est présent et remis en ordre à peu près correctement. Toutes les textures sont avec les textures, tous les réglages de brillance figurent ensemble, etc. Ce qui est beaucoup mieux quand on doit faire des centaines de shaders dans sa bibliothèque. On peut maintenant s'amuser à en modifier les paramètres comme on veut. Changer les textures à souhait, et vous voyez, on peut obtenir plein de résultats différents, ne serait-ce qu'avec 2-3 réglages. Vous pourrez désormais aller vous amuser à regarder les matières dans la nature, et pas que dans la nature d'ailleurs, puis à essayer de les reproduire via ce système dans votre moteur temps réel favori. Ou sur n'importe quel logiciel 3D, on peut y passer des heures. Et franchement, le système d'Unreal, je le trouve sympa de ce point de vue. On peut se faire des bons petits shaders. Voyez par exemple ici avec une texture de motif l'intérêt de pouvoir désactiver le scaling global et redimensionner les axes de la texture séparément pour pouvoir l'ajuster correctement. Et là un autre exemple quand on agit plus ou moins sur la brillance avec l'effet métallique. Et voilà, cette fois nous en avons bel et bien terminé, et nous avons vu tout ce qu'il y avait à voir. Désormais le pouvoir du shader est avec vous. J'espère que ce tuto vous aura plu, ou du moins vous aura permis d'apprendre 2-3 petites choses sympas pour vous perfectionner, et d'améliorer votre façon de travailler vos shaders. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Pour la prochaine, je vous tease déjà, je ferai sans doute une vidéo de présentation sur Substance Painter.
ainsi qu'une vidéo de revue sur l'ensemble des logiciels que l'on peut trouver sur le marché de la 3D. Et croyez-moi, il y en a un paquet. Allez, sur ce, portez-vous bien et à plus. Ciao les potes!